Voilà, cette fois nous allons essayer de faire maigrir un lot de photos d'un seul tenant. Alors nous ouvrons Photofiltre, puis dans l'onglet Outils Automatisation, nous allons chercher notre dossier ici. Voilà, dans Collège, je vais prendre Étang 0. Et il faut aussi définir un dossier de sortie, donc je vais le mettre au même endroit. Je crée un nouveau dossier que je vais appeler Réduit et je vais remettre le nom étant 0. OK. Donc je vais les placer dans ce dossier. Ensuite, je passe à la taille. Donc ici, j'indique 830, ce qui correspond à la taille de l'écran. Réglage, on peut jouer sur le contraste et la saturation des couleurs. Voilà, 5 à 10 pour le contraste, 5 à 15 pour la saturation des couleurs. Voilà, filtre non, transformation non, action, on peut enregistrer les paramètres de manière à les retrouver tout de suite. Et voilà, on lance. Voilà, ça s'effectue en quelques secondes. Voilà, le lot est traité. Je peux fermer mon application. Alors, on va regarder le résultat. Donc, les photos qui faisaient à peu près 5,80 mO maintenant, elles font 463 kg. Et donc, l'affichage, voilà ce qui est correct pour un affichage à l'écran. Et voilà pour aujourd'hui.